Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nang's Reborn pour une autre vidéo hors du commun. Mes frères et sœurs, si nous avons un bon conseil à vous donner aujourd'hui, c'est ne tombez pas dans les pièges du diable. Ne tombez pas dans les pièges du diable. Le diable cherche des humains à sacrifier ces temps-ci et il va vous tendre des pièges comme viens, je peux te donner de l'argent facile. Viens, tu vas gagner de l'argent facile et rapide. Rien que pour toi, rien que pour toi. Mon frère, ne tombe pas dans de tels pièges. Nous savons tous que nous devons travailler dur à la sueur de nos fronts pour avoir quoi que ce soit. Nous ne devons pas nous livrer à la facilité. Bienvenue mes frères et sœurs, nous sommes sur Nang's Reborn. Et sur Nang's Reborn, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a même des témoignages puissants. Et dans les témoignages puissants, nous recevons des ex-satanistes qui nous racontent des choses hors du commun. Un jour, nous avons reçu un ex-sataniste. Et cet ex-sataniste nous a raconté des choses sur comment faire pour avoir de l'argent rapide. Et cet homme a tout simplement révélé que un jour, il a été visité par un jeune. Ce jeune homme, il allait à l'école et il faisait un petit boulot à côté. Mais il avait remarqué que rien ne se passait dans sa vie. C'est-à-dire rien de concret ne se passait dans sa vie. Lui, il avait vraiment besoin d'argent. C'était ça tout son souci. Il dit, il y a besoin d'argent. Il avait vraiment besoin d'argent, mes frères et sœurs. Il dit, mais comment je vais faire? Donc, il allait voir cet occultiste. Dès qu'il a vu et il a vu, il a dit, ah grand frère, j'ai appris que toi tu invoques les esprits au quartier. Franchement, j'ai un problème. Je fais tout pour avoir de l'argent, mais ça ne réussit pas. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Tu m'aides à trouver de l'argent facile et rapide. Est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois de quoi tu parles. Ce dont tu parles, je te comprends. Voici comment ce jeune homme-là l'a suivi et ils sont entrés dans une chambre secrète. Et quand ils sont entrés dans cette chambre secrète, cet homme l'a fait asseoir et il lui a posé une question. Il lui a demandé s'il avait déjà touché au fétiche. Bizarrement, ce jeune homme a dit non. Il a dit qu'il n'a jamais touché au fétiche. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Ce que nous allons faire ici est dangereux. Tu dois savoir que pour avoir de l'argent mystique ou encore de l'argent qui vient des esprits, nous allons te dire que il y a deux méthodes ici. Dans la première méthode, on va te donner beaucoup d'argent, on va faire des invocations et beaucoup d'argent vont venir et nous allons te donner des prières, des incantations à faire et l'argent va apparaître. Mais cet argent là, tu dois le gaspiller dans un temps bien défini. Si on te dit que tu dois gaspiller cet argent-là, avant 18 heures, tu dois le faire. Avant 18 heures, ça veut dire que tu as de l'argent le matin à 6 heures. De 6 heures jusqu'à 18 heures, l'argent ne doit plus être dans ta main. Tu dois finir, consommer tout cet argent. Si tu échoues, tu meurs. Il n'y a pas qu'un quatre chemins. Et dans le deuxième cas, le deuxième et le dernier cas ici, c'est que tu dois sacrifier et tuer quelqu'un et on va tuer son esprit pour pouvoir te procurer de l'argent. Et avec ça, tu pourras réaliser, construire et l'argent pourra rester. Tandis que l'autre méthode, qui est la première méthode, tu ne peux pas investir ni réaliser. Est-ce que tu vois? Voilà, ce n'est que de l'argent qu'on te donne pour faire de la java, pour t'amuser, pour faire de l'ambiance, que les gens parlent de toi. Et ce jeune homme était là tout simplement, il regardait, il écoutait cet homme et finalement, il a dit franchement,
La deuxième méthode que tu viens de me présenter n'est pas mal. Mais moi, je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Je n'ai pas envie de sacrifier une vie innocente. Donc moi, je vais opter pour la première méthode. Je vais recevoir de l'argent et cet argent-là va finir à l'heure que nous allons choisir, à 18h. Et pendant que il parlait, cet homme-là, ce documentiste a regardé, il lui a dit, franchement, tu es sûr que c'est la méthode que tu veux? Il te suffit seulement de tuer juste quelqu'un de ta famille et on va utiliser son esprit. Tu crois juste avoir de l'argent et réaliser, même t'occuper même des funérailles. Il dit non, il a refusé catégoriquement. Il dit que non, lui ne peut pas tuer quelqu'un. Il veut pas voir le sang, il veut pas voir le sang innocent dans sa main. C'est tout petit, ça dit ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons invoquer les esprits. Voici comment cet occultiste a invoqué les esprits et un démon est apparu là. Mais l'enfant, mais le jeune ne pouvait pas le voir. C'était seul cet occultiste qui pouvait le voir. Et ce démon-là lui parlait, c'est-à-dire parlait à cet occultiste et il lui disait, l'argent qu'on va lui donner là, s'il ne finit pas de manger, là, de consommer cet argent-là à l'heure définie, va mourir. Faut bien lui dire ça. S'il ne consomme pas cet argent, nous allons venir le chercher. Il va venir avec nous. Là où on dort, là, il va dormir avec nous là-bas. Et cet homme, cet occultiste, lui a posé encore la question de savoir, mais est-ce que tu es sûr que c'est vraiment cette méthode-là que tu veux vraiment? Il dit oui, il n'y a pas de souci. Mes frères et sœurs, maintenant, nous allons vous poser une question. À sa place, si vous étiez à sa place, ne souhaitez même pas être à sa place. Hein. Mais au pire des cas, si vous étiez à sa place, quelle serait la méthode que vous choisirez? Bien sûr, vous n'allez pas chercher à tuer quelqu'un. Si toi tu cherches à tuer quelqu'un, que tu es ici, que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. On va tuer quelqu'un ici, hein. Tu vas avoir le sang de quelqu'un dans ta main. Ah là 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 là. La manière la personne va te poursuivre plus tard. Toi, mais tu vas rendre témoignage ici. Mes frères et sœurs, ne peut pas de tels pièges. Et cet homme, il a préféré choisir la première méthode. Voici comment cet occultiste lui a donné une prière mystique qu'il devait exécuter à une heure de la journée pour que l'argent puisse apparaître dans un sac. Et il va prendre tout cet argent-là et faire ce qu'on lui a dit. Effectivement, quand cet homme est entré chez lui, il a fait l'incantation, les rituels, tout ce que vous voulez. Tout de suite, l'argent est apparu. Il était étonné. Et c'était beaucoup d'argent. Il fallait le voir maintenant, il était en joie. Ah! Je suis joli! Je vais faire les choses! Ça va être chaud! Quartier, les gens vont voir ce qu'ils vont voir. Hein? Donc, toi, tu es venu sur la terre là. C'est pour montrer aux gens que toi, tu peux réussir quoi. Où tu es capable de réussir. On s'en fout que les gens croient en toi, qui te voient beau ou te voient laid. On s'en fout. Cherche Dieu, cherche à ce que Dieu t'aime et qu'il soit content de toi. Ne cherche même pas à plaire à quelqu'un. Toi, tu es tatoué, tu as monté aux gens. Ah, je me suis tatoué, regardez, c'est joli. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a demandé de faire? Attention mes frères et sœurs, attention mes frères et sœurs. Et cet homme-là va faire la chava. Il dit, mes frères et sœurs, ça va vous-même vous étonner. Cet homme va se lever, prendre tout cet argent-là, aller dans une entreprise de location de voitures. Il va louer plusieurs voitures. Il va remplir tous ses camarades dans ces voitures-là. Et ils vont se mettre à faire du bruit au quartier. À cause de vous, on ne peut pas dormir au pays. Faut les voir. Tout le monde les regardait comme ça. Dit, ah, voici les bouteilles, ils sont en train de faire les choses. C'était pas le boutage. Il allait faire un truc. Parfois, même, les gens, même là, ils pêchent même sans le savoir. Je ne sais pas ce qui est dans l'affaire, là, tu te dis que c'est boutage. Qui t'a dit ça? C'est même pas ça. Il sait ce qu'il a fait comme contrat avec le diable. Pour avoir son argent. Et cet homme-là
il a bouffé cet argent, il a fait le show. Il a même fini l'argent là même. Il a même terminé même. Il a terminé jusqu'à lui, il avait encore besoin d'argent. Là, il s'est dit que c'était facile. Ah, il s'est dit que c'était vraiment facile et que il n'y a pas de problème. Il peut faire ça tous les jours et toute sa vie, mais pourquoi pas? Même s'amuser matin, midi, soir. Il n'y a pas de problème. Nous allons aller manger le poulet, piquer le poulet, rôti, le poisson brassé. Ah, ça va être joli. Les hamburgers, les filles. Oh, on va se remuer l'arrêt. Et c'est ce qu'il faisait. Et il a passé son temps à s'amuser, à faire la Java, à faire tout ce qu'il pouvait faire. Jusqu'à ce qu'un jour, ah là 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 là, le pire va arriver. Vous savez que le diable n'est pas bête, hein. Il va pas vous donner de l'argent gratuitement comme ça. Forcément, je vais vous tourner piège. Ou vous serez obligé de sacrifier quelqu'un ou vous-même vous allez mourir. C'est-à-dire que l'argent que vous serez en train de gaspiller comme ça là, ça sera vous-même l'argent, c'est-à-dire votre âme. Genre, le prix que vous avez vendu, le prix de votre âme que vous serez en train de gaspiller. Parce que vous allez rembourser ça d'une manière ou d'une autre. Ah. C'est pourquoi il faut faire vraiment très attention à ne pas pactiser avec le diable. Parce que le diable, c'est le mauvais. Et cet homme, voici qu'il va se lever un bon matin. Il va faire ses incantations. L'argent va apparaître plus que d'habitude. Et au moins, on se rend compte là. L'argent ne fait que sortir du sac. Ça ne veut plus s'arrêter de sortir. Mes frères et sœurs, l'argent est sorti jusqu'à... Ça a débordé, ça a commencé à sortir par la porte. En dessous de la porte, là, ça sortait de là-bas. Les billets de banque en sortaient. Cet homme a tout simplement oublié le cri diabolique qu'il devait faire pour arrêter maintenant l'argent, là, pour arrêter le processus d'obtention de l'argent qui vient du monde des ténèbres. Et le sac a commencé à se remplir. Au moins, va s'en rendre compte là. Il a pris ce qu'il pouvait prendre. Il a pris un peu de ce sac et il s'est dirigé directement à l'église parce qu'il a dit que. Là, il ne pourrait plus finir cet argent-là. Parce que même, il a essayé même de bouffer juste un peu pour aller rapidement, ça n'a pas marché. L'argent ne faisait que augmenter. Ah! Ça s'augmentait seulement. Et lui, il est arrivé à l'église. Dès qu'il a mis son pied dans l'église net, il allait directement voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, je suis mort, je suis foutu. Je suis foutu. Il s'est allé faire des choses avec le diable, voici. L'argent-là, ça ne va pas s'arrêter. Si ça ne finit pas, je suis mort. Ah, donc tu es mort. Sérieux? Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme s'est mis à expliquer. Il explique, il explique. Au moins, on va s'en rendre compte là. Voici des démons. L'heure est venue, l'heure est passée. Maintenant, le démon qui était venu lorsqu'il faisait son rituel là. Et c'était sataniste, ce mystique qu'il avait vu là. Et il ne pouvait pas voir là. Maintenant, lui-même, il pouvait maintenant voir le démon en question. Et ce démon-là était devant lui. Était, c'est-à-dire à 100 mètres de lui. Et lui seul pouvait le voir à distance. Dès qu'il a vu le démon-là, il était étonné. Comme dans le film de Death Note. C'est pas que vous avez regardé ça. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah, pasteur, ils sont venus me chercher !» Le frère de ça. Il a vu un démon. Pour le point de crier. Et lui seul peut le voir. Et le démon lui dit, viens ici, on t'attend, sors de l'église, il faut venir ici, viens, tu vas nous récompenser, tu vas nous payer, c'était le contrat. Le gars dit, il ne veut pas sortir, il veut rester dans l'église de l'homme de Dieu, il dit, homme de Dieu, là voilà, ils sont là-bas, il veut rester ici, il ne veut pas sortir. Et l'homme de Dieu, comme il a constaté cette histoire, il s'est dit qu'il doit faire quelque chose, voici comment il est monté dans une forte prière, ha! Il a prié jusqu'à. L'argent là avait rempli le sac. On vous a dit non? Quand il a prié là, à un moment donné là, l'argent qui était des billets de banque là, vous serez même étonné. L'argent là, qui était des billets de banque qui se trouvait dans le sac là, s'est transformé en fumée. C'est se volatiliser. Pouf! En fumée. Ah! L'homme de Dieu lui-même était étonné. Ce jeune homme a dit franchement, vu tout ce qui vient de se passer, lui ne veut plus sortir de la maison de l'homme de Dieu. Il est resté là-bas une semaine, il dit il ne sort pas, il va rester là-bas.
Parce qu'il sait que s'il sort, c'est fini pour lui. Il sait ce qu'il attend dehors. Vous avez vu? Les gens veulent être riches. Oh, la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28. La parole de Dieu nous dit que si tu veux vraiment être béni, il faut respecter la recommandation de Dieu, obéir à la voix de Dieu. On nous a dit de travailler dur, il faut travailler dur. Mais toi, tu dis que c'est foutaise. Comment nous, on va te dire, toi, il faut travailler. Toi, tu es un Dieu, tu ne peux pas travailler. Ok. Mais le jour, tu vas voir les démons là. Tu vas oublier même que tu as beaucoup de muscles. Parce que si le diable sait que toi, tu es musclé, il va voir des démons qui sont plus musclés que toi. Et quand tu vas les voir, tu vas te souvenir que Jésus est Seigneur. Et tu vas chercher maintenant, premièrement, Dieu, tu vas le mettre dans ta vie. Depuis ce jour-là, ce jeune homme-là, il faut le voir maintenant te marcher dans la rue. Il transporte Dieu partout. Il n'est plus la même personne. Et il prend son témoignage maintenant. Et il explique aux gens. Là, quand il explique aux gens, les gens ne croient pas. Il dit, oh, tu es en train de rigoler. Tout ce que tu nous dis là, tu nous dis ça juste pour nous faire peur. Mais voyez ça, c'est ce qui se passe. Quand on avertit certaines personnes, on informe, on dit aux gens, ah, il y a un danger, n'y allez pas. Ils sont là, nous, regarde comme ça. Ce gars-là, même là, est-ce qu'il est super normal, non? Il parle trop, hein. Il a quand même laissé boire nos vins. Il a quand même laissé aller chercher les copines. Nous, on veut faire des shows. Ah, la copine qui est là-bas, elle a bouffé mon jeton. Je vais lui montrer le piment. C'est ça, les pièges de ce monde. Et c'est de n'être pas de la fête. Mon frère, le 24 décembre arrive. Le 25 décembre arrive. Oh, je suis chaud, je m'habille, c'est Noël, Christmas, Happy Christmas. Il ne comprend pas anglais, hein? Mais ce jour-là, on appelle Christmas. Oh, c'est le Christmas Day, ma gars! C'est le Christmas Day, mes frères! C'est joli! À ce moment, il va se lever. S'il a là, il faut que Dieu merci. Mais le 31, la nuit du 31. Oh, Badi! Aujourd'hui, il faut que je m'habille bien pour le 31. Parce que c'est un jour spécial. Après le 31, c'est fini. Et puis, je vais vous dire, pour que la fête soit bonne, il faut qu'on aille à Las Vegas. Parce qu'à Las Vegas là-bas, il y a des vrais goûts là-bas. Et là-bas, on peut faire des choses jolies, 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 jolies. Et moi, je suis chaud. Alors, allons-y. Allons faire la fête. Allons faire le show. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le tugard du quartier. Je suis le vrai gars du quartier. Les gens se lèvent. Ils se donnent des noms. Ils se disent, oh, moi, je suis le duca. Oh, moi, je suis le ceci, je suis le cela. Oh, tu es un humain. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu n'as pas de protection. Et au pire des cas, si tu as une protection, tu es protégé par les mauvais esprits. Qui sont encore des démons. Les démons sont faits pour te créer des problèmes et toi tu vas les soulever pour les mettre sur ton dos. Et puis tu te dis que tu es bien protégé. Ah! Nous devons faire attention, Si vous avez l'argent, c'est bien. Travaillez dur, vous allez les avoir. C'est le seul moyen. Mais n'utilisez aucune méthode donnée par le diable. Parce que l'un ou l'autre, ça a fini toujours. Mal. À bon entendeur, bonne année. À bon entendeur, bonne année. Bon, ben voyez, c'était extraordinaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était juste conseil d'un ami et en même temps, mon story time. Juste pour vous prévenir du danger qui guette les humains, surtout que nous sommes en fin d'année, il faut vraiment faire attention. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonner de cette vidéo, cliquez sur la cloche de la TV et cliquez sur. Cliquez sur ça. Si tu as cliqué sur dislike ici, Dieu te voit, Clique sur j'aime. Si tu as été touché, et dis-nous vraiment comment tu prépares les fêtes de fin d'année. Comment tu te prépares à entrer dans l'année 2019?
C'est une bonne question. Ça m'intéresse. Est-ce que tu as déjà traversé par de telles situations où on t'a demandé de faire de telles choses? Si oui, réagis dans la partie commentaire. On t'attend. Ça va être chaud. Si tu veux nous soutenir encore plus, réagis dans la partie commentaire et plutôt clique sur Nyan Scrupon. Tu vois, c'est à la partie que tu vas voir Nyan Scrupon de Nyan Scrupon 3. Ce sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Ça va être chaud. Suis-nous et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Prends soin de toi. Wow, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Wow! La scribale.